Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de changements dans l'environnement de travail numérique. Mais il reste énormément de choses à faire. L'objectif d'un environnement de travail numérique, c'est de développer la productivité positive. Pour cela, un certain nombre de challenges se posent aux entreprises qui doivent y faire face pour aller chercher les 5 composantes de la productivité positive. La productivité positive, c'est la productivité de nouvelle génération. C'est celle qui donne à la fois envie et les moyens aux employés d'être productifs. Alors cette productivité positive, on va la chercher notamment grâce à l'environnement Microsoft 365 et Teams, en allant déployer toute la richesse de cet écosystème et en y ajoutant tout ce qui est nécessaire à plusieurs choses. D'abord, la capacité des employés à contribuer. La satisfaction vis-à-vis des outils numériques, le travail hybride qui permet un équilibre pro-perso, la focalisation des équipes IT sur ce qui a de la valeur pour le business et enfin la contribution aux objectifs RSE de l'entreprise. Orange Business.